Wow! Quel nouveau McDo! Et où la cassière? Oh! T'es fou ou quoi? Pourquoi tu me fais peur comme ça? Ouais, allez, c'est drôle, n'est-ce pas? Voilà, regardez ce burger. Bon, d'accord, donnez-moi ça. Facile! Ouais, qu'est-ce que vous faites? Voilà, ajoutez du tabasco, s'il vous plaît. Tabasco, d'accord. Bon, on dirait que c'est tout ce qu'il y a. Je vais enfin pouvoir cuisiner. Par où commencer? Par la viande. Ouais, de la viande hachée, c'est frais et ouais, un peu gluant. Ouh, l'odeur est pas très bon. Bon, je vais mettre des gants, bien sûr. Comme ça. Je vais prendre un peu de viande hachée. Je vais faire une escalope. C'est pas difficile du tout. Et maintenant, je mets tout ça dans la poêle. Bon, un pot de poivre. Et maintenant, je peux tout retourner. Oh non, j'y arrive pas. Et oups. C'est déjà au plafond. Non, mais vas-y. Allez. Non, mais s'il te plaît. Oh, ouais. Droit dans le but. Je pense que c'est presque prêt. Ça sent tellement bon. Je mets l'escalope sur le petit pain, du fromage, de la tomate, des petits cornichons, du ketchup, de la moutarde et un petit piment. Oh non, ça ne s'ouvre pas. T'as besoin d'aide. Vas-y, donne-moi le pot. J'ai de la force, moi. Oh, wow, merci beaucoup. Je voulais vraiment de la force aussi. Bon, je vais mettre un piment. Vous êtes sûr que vous en voulez deux? D'accord, comme vous voulez. Et voilà votre sauce. Vous aimez vraiment quelque chose qui pique, quoi. Le petit pain, et voilà, c'est fait. Ouah, comme c'est épicé, n'importe quoi. Et voilà mon burger. Il est tellement beau, j'ai hâte de le goûter. Vas-y, viens voir, papa. N'importe quoi. Non, mais... Ouais, c'est tout ce que j'aime. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est pour toi. Premier salaire! Ce burger vaut chaque centime! Oh non, elle a brûlé mon argent! Bon, je ferais mieux d'y aller avec mon burger! Tout ça pour rien! Eh! Il est déjà parti! J'ai pas de chance! Est-ce que c'est un vrai McDonald's? Bonjour! Monsieur, je suis là, vous me voyez? Je veux des frites. Bien sûr, petite mademoiselle. Eh bien, j'ai besoin des frites et j'ai besoin des pommes de terre. Bien sûr, je vais bien tout éplucher. Oh, ce n'est pas aussi facile que je pensais. Et le couteau est coincé. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je m'excuse, je ne voulais pas. Je vais utiliser le truc spécial. Je suis comme une tortue ninja. Oh, c'est vraiment facile. Maintenant, je vais bien couper la pomme de terre. Heureusement que j'ai quelque chose de spécial. Voilà, regardez comme c'est parfait, juste ce qu'il faut. Et maintenant, bien sûr, ça va aller dans l'huile bouillante. Aïe, oh non. Oui, je vais bien tout fermer. Comment faire? Oh, je sais! C'est vraiment une bonne idée! Je vais tout mettre dedans! Et en attendant, regardez ce que je vais faire! Je vais dessiner un M! C'est le logo de McDonald's! Regardez, c'est super beau! Alors, j'attrape! Oh oui! Super! Voilà, mademoiselle!
vos frites. Ça a l'air bon, ça sent bon aussi. Et le goût? Oh oui, c'est vraiment bon. Oups, je crois que j'ai pas d'argent. Tenez ce que j'ai. Encore? Voilà mon petit jouet. Ouais, je pense que c'est bon. À bientôt. Je suis pas sûre que ce soit un paiement décent et pas de pourboire en plus. Le pot est complètement vide. Quelle journée! Bon, il y a encore de la poussière. Oh, c'est quoi ça? Ton McDonald's? Super. J'aurais bien besoin d'un verre de coca. Tout de suite. Bon. Je vais prendre des citrons et je vais presser le jus. Oui, dans le mixeur. Ça m'est rentré dans les yeux. J'ai tellement mal. Je ne vois rien du tout. Ne vous inquiétez pas, je vais parfaitement bien. Votre coca est déjà à mi-chemin. Très bien. Bon, les citrons, ça ne se reproduira plus. Je vous passe tout de suite au mixeur. Et maintenant, j'ai besoin du Sprite. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. Et maintenant, j'allume. Ouais, prenez ça, les citrons. Maintenant, il faut filtrer le liquide dans un verre. Bon, je pense que ça va. Mais il n'y a pas assez de glace. Ou de glaçons. Ouais, des glaçons. Et comment l'obtenir? Allez! Oh, stupide, ça! Comme ça! Très bien. Je vais juste récupérer ce qu'il y a sur la table. C'est ça, la touche finale. La jolie paille. Et voilà, je peux servir. Oh ouais. Je tiens le verre. Et voilà le verre. C'est vide? Eh ben non. Je vais pas payer pour cela. Ciao. Non, j'ai pas réussi. J'ai pas de chance. Ouais, c'est qui? Ouais, j'en ai que moi. Je crois que c'est un café ici. Ouais, ouais, c'est le menu. Merci. Je ne vois pas très bien. Je veux bien. Ça, c'est quoi, une tarte? D'accord, une tarte. Comme vous voulez. Pas de problème. Et comment le faire? Tellement de choses à faire. Je sais pas par où commencer. Et voilà, tu donnes. Oh, je crois que mamie me donnait un 10 du lait. Ah non. Du sucre? Non. De la farine? Ah oui, de la farine. Super. Je vais tout verser. Alors, ça suffit? Mamie a l'air d'approuver. Je peux avoir du lait? Oui, c'est bien. Je vais verser du lait dans la farine. Comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite? Je crois qu'il s'est endormi. Hé, mamie! Waouh! Elle dort! Bon, Zach, tu peux le faire. Il faut casser un œuf dans un bol, je pense. Et encore un autre. Et maintenant, encore deux. C'est bizarre. Oh, il est tellement dur. Oh, ouais, non, mais regardez comme il est dur. Et tiens-toi bien. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vais tout casser, là. J'ai réussi, mais je suis tout seul. Le burk. Bon, je dois continuer à cuisiner. Je vais ajouter du sucre. Ouais. Mais bon, ce n'est jamais trop sucré. Ouais, vraiment. Bon. Et maintenant, je vais tout remuer. Je vais utiliser mon mixeur plongeant. Oh, oh. C'est pas si facile à retenir. Elle va me rester là pendant toute la pièce. Oh non, encore je suis tout sale. Et avec quoi je dois faire la tarte? Oh, peut-être avec du pain grillé.
Heureusement que mamie dort. Elle ne verra pas mon life hack pour enlever la croûte. Oui, c'est tout ce qu'il me faut. Mais il manque la farce. Où est-ce que je vais la trouver? Oh, des fraises. Bien sûr, je vais bien la couper. Et maintenant, je vais mettre ça sur le pan. Et voilà, l'autre morceau de pan. C'est comme une tarte, n'est-ce pas? Il ne reste plus qu'à le mettre au four et c'est prêt. Et maintenant, je peux un peu jouer. Ouais, tiens, tiens. Je vais gagner là. Ouais. Ça sent le brûler, je pense. Oh, le feu! L'incendie! Quoi, je suis là? Oh non! Non mais, je pense qu'il est temps de sortir tout ça. C'est tout en fumée. Je ne vois rien du tout. Et voici votre tarte. Mais n'importe quoi, c'est une sorte de charbon. Et comment je dois manger? Ouais, n'importe quoi. Je vais vomir. Je ne reviendrai pas ici. Et pour boire? Le pot est toujours vide. D'abord, nous devons nous débarrasser de tout le bazar. Pourquoi il y a autant de choses inutiles ici? Je n'ai jamais pensé que mes pouvoirs seraient utiles quand je fais le ménage. C'est fait. Et je peux même déplacer les lits. Mais l'essentiel de se débarrasser du reste des petits débris. Oui, j'ai réussi à faire tout ça. Cool. Bon, quelle est la prochaine étape? Et c'est ton travail. J'adorerais. Je suis sur le point de planter des graines tout aussi magiques dans ce sol magique. Et je vais tout arroser avec de l'eau. En fait, c'est vraiment magique aussi. Cool! Maintenant, il y aura un lit! Regardez comme c'est joli! Eh, c'est pratique ça! Cool! Mais un seul lit ne sera pas suffisant pour nous. Nous devons en faire un deuxième. Ouais, mais c'est pour voir, Arnaud, pourront le faire. C'est fait. Maintenant, on a deux lits cool. Les filles, il est temps de commencer à dessiner. C'est vraiment très apaisant. Non, mais en fait, ça me dérange. Horrible. Oui, non, mais n'importe quoi. Oh, j'espère que la peinture pourra bien sauver tout ça. J'espère que ça a bien marché. Oh, j'adore cette couleur. Les filles, il ne faut pas oublier une échelle. Oui, ça a bien besoin d'être autant. Oui. Mais c'est beaucoup plus cool de grimper avec des pouvoirs. Comme ça. En fait, il faut pas oublier de dessiner le deuxième étage. Oh, j'adore notre lit. Je suis d'accord. Les filles, on a tout réussi. Oui. Maintenant, nous devons nous occuper du confort. Ou plutôt faire en sorte que le lit soit incroyablement doux. En plus, ça ne ferait pas de mal de la décorer avec des plantes. C'est si joli. Après cela, tout le monde devrait comprendre pourquoi les plantes sont les meilleurs amis de l'homme. Non seulement elles peuvent faire une décoration cool pour n'importe quoi, mais elles peuvent aussi faire de vrais murs pour que personne ne te dérange pendant que tu dors. C'est tellement plus pratique. Lily, t'as presque terminé.
Bon, il est temps pour moi pour que je fasse ma partie du lit. Il n'a rien de plus douillé que le nuage. Il faut juste le répartir sur le périmètre. Oui, et ajouter un bel éclairage. Quelle beauté! C'est comme si j'étais assise sur un vrai nuage. J'adore, c'est de la vraie magie. J'ai aussi toutes sortes de plaids et de coussins sur moi. Mais ce n'est pas suffisant pour moi. Oui, je sais. Ça serait parfait avec une piscine. Lucie, tu veux m'aider? J'ai besoin de toi. Facile, je peux tout gonfler. Je peux tout faire pour un ami. Merci beaucoup. Cool! Oui, tellement vite! Il ne reste plus que le remplir d'eau. Génial! Maintenant, mon lit est aussi devenu amusant. Il n'y a rien de plus cool que d'être dans la piscine. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Oui! Et je pense que c'est encore mieux quand il y a des canards si mignons autour. Oh, je m'ennuie. Lucie, j'ai encore besoin de ton aide. Sèche-moi, s'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup. Oui, non, ne me dérange pas. Il n'y a rien de plus douillé qu'un plaid rouge et des oreillers rouges. Pendant que je décourais du lit, j'ai eu aussi très faim. Et je crois que je sais ce que je vais manger pour le déjeuner aujourd'hui. Je vais avoir besoin d'un feu pour commencer. C'est fait. Et maintenant, je vais utiliser ce feu pour me faire les plus délicieux marshmallows. Oh oui, j'adore les guimauves. Les filles, souhaitez-moi un bon appétit. Il manque quelque chose. Oui, il faut ajouter quelques détails. Les fleurs, par exemple. Oui, ils s'adaptent parfaitement à mon intérieur. Il faut aussi ajouter de la lumière. Oh, je commence à avoir faim. Est-ce que cela dérangerait quelqu'un qu'un oranger pousse à côté de nos lits? Oh, wow! Oui, je suis tout à fait d'accord. Cool! J'adore les oranges. De plus, c'est un excellent choix pour un déjeuner. Je ne mange que des aliments en base de plantes. Je suis d'accord avec les détails, me manquent aussi. Je pense que des rideaux rouges seraient parfaits. Cool! Maintenant, ça me va vraiment bien. C'est si confortable et si beau. J'ai juste besoin d'ajouter un peu de lumière. Maintenant, c'est parfait. Oh, qu'est-ce qui me manque, moi? Mais quoi? Ah, c'est vrai! Eh bien, mon poisson, je suis sur le point de te préparer un gros steak. T'inquiète pas, je vais pas te donner un somaniac. Hé, hey, où est le poisson? Qu'est-ce que je vais manger, moi? Maintenant, j'ai un ami. Je vais l'appeler? Je vais l'appeler... Nemo! Mon petit monde aquatique sera beaucoup plus calme avec lui. Quoi ajouter? C'est vrai! Je vais utiliser un peu d'isolation avec un rideau. De cette façon, je peux créer un sentiment d'intimité totale. Et bien sûr, un peu de lumière ne ferait pas de mal. Génial. Et mes amis, les nuages me manquent. Mais je vais réparer cela rapidement. Et ce n'est pas tout. Un arc-en-ciel s'adapterait parfaitement après les nuages. Mais qui n'aime pas les arcs-en-ciel? Cette personne n'existe tout simplement pas. C'est si joli! Je pourrais l'admirer pour toujours!
Les filles, vous aviez raison. Je peux réutiliser les rideaux. Yeah. Je peux les utiliser pour donner l'impression que je suis vraiment assise sur des nuages dans le ciel. Il ne reste plus qu'à ajouter de la lumière. Alors, je pense que c'est magnifique ça. Les filles, nous avons tous fini maintenant. Organisons une discothèque pour fêter tout ça. Oui, on est vraiment intelligente. Oui, je suis d'accord. Je vais apporter quelque chose. Une seconde. J'ai fait un super gâteau. Il ne reste plus qu'à ajouter de la crème. Wow! Le gâteau! C'est exactement ce dont j'ai besoin. Mais c'est quoi cette journée? Où va toute ma nourriture? Les filles, j'ai apporté du gâteau! Dépêchons-nous de le manger pour célébrer nos nouvelles maisons. Merci. Thank you. Oh oui! J'adore! Oh, génial ça! C'est vraiment très bon! Mais une seule bouchée ne suffit pas! Pensez bien que les liens n'aient plus! Hey, Jess! Comment tu oses voler mon gâteau? Je pensais que nous n'allons pas nous battre! Mais tu m'as forcé! Comment t'as pu, voleuse? T'as tout gâché! Non, tu n'as pas honte de toi! Oh, c'est tout, c'est tout! Non, t'inquiète! C'est ce que j'appelle de la musique! Stop! Vous allez où? Qu'est-ce qui se passe? Suzy, qu'est-ce que tu fais? Qui sont ces gens? N'entre pas sur ma propriété. Nous étions d'accord là-dessus. Ce sont des travailleurs. Ils m'ont aidé à m'embellir ma pièce. Découvrir? Mais pourquoi t'as plus autant de travailleurs? C'est pas comme si tu construisais un palais. Comment le serais-tu? Peut-être c'est un palais. Donne-moi le plan. Oui. Waouh! Donne-moi le plan, là! Hé! Hey, donne-moi ça! Stop! Tu ne peux pas franchir la ligne. C'est très bien, j'ai déjà terminé. Merci. Voilà, c'est pour vous. Oh, sacré plan! Yeah. Je vais te montrer comment transformer une pièce en quelque chose de beaucoup plus cool. Je peux faire une maison cool sous le lit, hein? Rien de temps. Ouais! Yeah. Comme ça! Et j'ai pas besoin de travailleurs! Mais quoique, c'est pas très parti pour les heureux. Qu'est-ce que tu fais? C'était mon idée! Oui, une maison sous le lit, honte à toi, voleuse! Ce n'était pas ton idée de faire une maison sous le lit. Alors ne m'en veux pas. Alors, c'est bien plus cool, ma maison. Je sais. Je te donne la permission de me regarder et d'être jalouse. Je passe un très bon moment ici. Oui, bien sûr. Moi aussi, je vais me faire un endroit très cool. Waouh! Des réductions sur les jouets? Je devrais visiter cette boutique. Bah les pattes, ne touche rien. Vous ne pouvez que regarder. D'accord, d'accord. Je ne faisais que regarder. Personne n'ose prendre mes jouets. Surtout, gratuitement. Wow! Il y a des Hagiwagi! Les mains! Ouais, je me souviens. Wow! Il y a un énorme Hagiwagi! Bien sûr, il est tellement cool!
Je n'ai pas autant d'argent, mais je pense que je vais résoudre ce problème avant que le gardien ne le voie. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que quelque chose ne va pas. Mais quoi? Salut! Ça va? Ah! Un jouet qui parle! À l'aide! J'ai besoin d'aller de toute urgence dans ma chambre secrète! Quelle horreur! J'espère que personne ne me trouvera ici! Je peux me détendre et me reposer! Bonjour, petit canard. Tu devrais savoir ce que je viens de voir. Mais quelle lâche! Mais j'ai pas une voleuse. Alors, voici tout l'argent que j'ai. J'espère qu'il y en aura assez pour quelque chose. Suzy! Sois prête! Maintenant, j'ai quelque chose à mettre sous mon lit. Et c'est quelque chose de beaucoup plus cool que le plaid ordinaire. C'est un plaid agiwagi! Oui, Jess, c'est un peu bizarre. Il est maintenant temps de décorer la chambre avec des posters et de toutes sortes d'autres trucs sympas pour créer une atmosphère chaleureuse. Oui, j'en aurais bien besoin aussi. Ah, ma maison a l'air plus cool que la tienne. Ça ne sera pas pour longtemps, je pense que je vais trouver un moyen de rendre la pièce plus jolie. Oh, qu'est-ce que t'as construit? Papa, je peux avoir un sac? Non, j'ai besoin d'un sac rose et pas un sac à dos. Je veux être une écolière et pas un écolier. Merci beaucoup, t'es très gentil. Oui, c'est magnifique. Ils ont construit un vrai palais. Oh, c'est qui, bon sang? Ouais, Agiwagi est aussi une excellente protection contre tous les intrus. Bon après-midi, j'ai finalement emporté mon essai. Vous pouvez le vérifier? Bien sûr, il est grand temps. T'es vraiment intelligente. Vous devez avoir faim. Vous voulez une pomme? J'ai juste ce qu'il faut. Je ne dirais pas non. Oh, désolé. J'ai pas fait exprès. Ouais. Donnez-moi dans les mains la prochaine fois. Ouais. C'est ma chance, je suis désolée, mais j'ai besoin de la planche. Je l'ai trouvé. Hé, t'es où? Il est où mon tableau? Et comment je vais enseigner aux enfants? Bon, l'important de ne pas s'inquiéter, je connais un moyen de faire sortir toutes mes émotions. Tiens, tiens! Ouais, une pomme tu dis? Tiens pour la pomme et tiens pour le tableau! Ah, Monica! Jess, maintenant j'ai quelque chose de bien plus cool que les posters. Je peux faire toutes les affiches que je veux. Regarde, envie-moi. Quoi? Mais d'où t'as ça? Et pourquoi t'en as besoin? Tu ne sais pas comment dessiner. Ah, je sais pas dessiner. Mais comment tu oses? Ah, je devais te montrer. Qu'est-ce que t'as? Ah, ça te va très bien. Comme si c'était à ce que tu devais ressembler. Très drôle. Tu me donnes envie d'aller me laver. L'idée du tableau noir était géniale. Qu'est-ce qui pourrait être plus cool qu'un énorme dessin que tu peux toujours changer? Il reste à compléter la chambre avec des différents jouets mignons. Par exemple, cette lampe à forme de licorne. Une lampe qui a besoin de ta lampe quand t'as la guirlande entière. Regarde et apprécie. Ouais, c'est magnifique. Quoi? C'est vraiment très beau. Qu'est-ce que je vais faire? Ma licorne a l'air pathétique. C'est sûr. Elle n'est pas comparable à ma guirlande. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai aussi besoin de quelque chose de cool. Et je pense que je sais où l'obtenir. J'ai un ami? Je suis le Hulk, le méchant et effrayant Hulk. Et content, tu peux m'aider? J'ai besoin de cet ours là-bas. Je vais peut-être le prendre. Mon ours en peluche? Je l'adore. Alors non, tu ne peux pas. Pour qui crois-tu être si avide? Et si je te donnais le Nutella par exemple? Oui, je ne suis qu'un enfant, mais même moi je réalise que c'est un peu trop petit. T'es si crétin! Et les chips?
Gros Pringles, des chips. Oui, je ne dirais pas non aux chips. Non. Mais ce n'est pas suffisant, nous avons besoin d'autre chose. Encore? Bon, il ne me reste qu'un seau de crème glacée. Ça te suffira? Ouais. Donne-le ici. Ah, je peux avoir l'ours? Ouais. Mais donne-moi la glace. Oui, merci beaucoup, Quentin, je dois y aller. Qu'est-ce que c'est? Où est la crème glacée? Alors t'essaies de me piéger, hein? Je vais te montrer comment tromper Quentin. J'ai besoin d'aller à la loge tout de suite. Oh, mes fidèles aides, cette mime m'a trompé. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Comme dessiner une moustache sur une photo. Ah, je vois que Pikachu est vraiment heureux. Ouais! Bien fait pour toi, Suzy la tricheuse. Oh, je suppose qu'elle n'a toujours pas réalisé que je l'ai piégé. Mais j'ai bien eu l'ours. Enfin, je vais pouvoir me faire un vrai ciel. Des nuages qui brillent de différentes couleurs. Yeah. Oui, c'est magnifique. Il faut juste de l'éclairage. C'est très beau. Oui, j'adore ça. C'est mieux qu'une guirlande lumineuse.